Bienvenue dans le Social Club d'Orange, je m'appelle Adrien et je remplace dès aujourd'hui Ambre pour toutes les semaines faire le point avec vous sur l'actualité digitale en trois infos marquantes. Ready? Du live streaming sur YouTube, c'est ce qui vous attend dès maintenant. Pour rattraper son retard face à Facebook Live, le leader des événements retransmis en direct, la plateforme vidéo vient de frapper un grand coup. Regardez. YouTube permet désormais de diffuser en temps réel vos vidéos en cochant l'option « Capture » au moment souhaité. Une seule condition pour l'instant, avoir plus de 10 000 abonnés à votre chaîne. Mais on se doute que l'option devrait bientôt se démocratiser. Avec 400 heures de vidéos uploadées, YouTube vient également d'annoncer la naissance de Super Chat, un système de monétisation qui permet aux fans de les rémunérer pendant les retransmissions en direct entre 1 et 500 dollars. Plein de bonnes nouvelles donc pour le troisième site le plus consulté au monde et qui aimerait bien devenir le premier. On aime. Vivre le e-sport comme un match de foot, c'est ce que propose la Superliga Orange en Espagne. Et oui, le 5 février avait lieu aux îles Canaries une grande première grâce à l'union entre la LVP, la Ligue Professionnelle des Gamers, et Orange Espagne qui en devient le sponsor officiel. Hola! À partir d'aujourd'hui, la plus grande ligue espagnole de joueurs devient la Superliga Orange. Et le premier match en direct a été dignement célébré dans le grand auditorium de Tenerife. 1300 fans ont pu assister en live à la première journée opposant 40 joueurs sur LoL, League of Legends, ouais, je connais un peu. Et 16 500 spectateurs étaient simultanément connectés sur Twitch pour suivre des parties dignes du Mundial. Rendez-vous le 30 juin pour la grande finale où les joueurs s'affronteront également sur Call of Duty. Impossible de se quitter sans parler des Grammys, la célèbre cérémonie américaine qui récompense comme chaque année les meilleurs musiciens de la planète. La 59e édition qui a couronné Adèle Ampleur et Beyoncé enceinte a encore une fois réservé son lot de surprises, comme par exemple le retour sur scène de Daft Punk ou encore le retour de costumes étranges. Les Grammys 2017, c'est 26 millions de spectateurs, 17,3 millions de tweets, avec un pic pendant le live de Beyoncé déguisée en reine tournesol. Étonnamment, beaucoup moins de mentions pour le featuring entre Lady Gaga et Metallica, qui a laissé les internautes... sceptiques. Et la foule des Grammys aussi. Faut dire que c'était très bruyant. Ah, merci, ça va mieux. Avant de se quitter, on fait un point rapide de ce qui nous attend sur l'info digitale dans les prochains jours. Google Maps qui devient un réseau social, Instagram qui dépasse maintenant Twitter, et un chiffre surprenant, 50% des emplois actuels pourraient être automatisés grâce à l'intelligence artificielle. Pas tout, on espère. À la semaine prochaine pour le début d'une longue série, ensemble.